Coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Balance Crap. Je vous présente aujourd'hui un album que je me suis régalée à faire. Ce sont des feuilles, une collection de feuilles. Je crois que c'était Luxe Paper de chez... comment s'appelle cette petite boutique-là? De chez Action, voilà. Donc j'ai pris deux séries de feuilles hein, parce qu'il n'y en a pas tellement dedans chacune. Et ce papier était tellement joli que j'ai hésité à l'utiliser. Et là, j'ai trouvé l'idée. Donc voici ce super album qui est bien contemporain. Les rubans viennent de chez Stampin' Up, les fleurs de chez Prima, des découpes, hein, les petits papillons. Je pense que j'ai dû les découper dans une collection de Lemoncraft. Je crois que c'est House of Rose. Voilà, des petites gouttelettes de chez Nuvo. Et nous offrons ce petit carnet. Donc, ce sont pour des photos 10 par 15. Je n'ai rien mis sur la première de couverture car je trouve ce papier trop sublime. Je n'ai pas voulu rajouter quoi que ce soit. Donc, il s'ouvre comme ceci. Tout est aimanté. On peut mettre deux photos sur celui-là. Donc, des photos à mettre vraiment en valeur. Les petites découpes que j'ai trouvées super mini, ça fait vraiment printanier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve très très jolies. Ça s'ouvre comme ceci. Nous avons à nouveau deux grandes photos de 10 par 15. J'ai craqué littéralement sur ces papiers. Donc il m'a bien fallu deux packs de papier pour les faire. Ensuite, il y a des découpes d'autres kits de luxe de chez Action. Ici, ça fait partie d'un grand bloc aussi. Je vous marquerai la référence. Donc là, c'est pareil. Il s'ouvre avec des aimants. Ici, c'est une pochette avec une petite ouverture comme ceci. J'adore le chien, il est trop beau. C'est adorable. Voici les petits détails. Je me suis régalée à le faire. Des fois, il faut juste un petit déclic. Hein. Donc, il y a ça comme ça. Celui-là, il ne s'ouvre pas. Donc, une grande photo de 10 par 15. La pochette avec un petit zigzag. On peut mettre 6 photos. Hop, il s'ouvre comme ceci. Deux grandes photos de 10 par 15. Hop, et enfin... la dernière petite photo, donc celle-ci, elle fait pas 10 par 15, elle fait la moitié de 10 par 15. Donc, on peut en mettre deux petites ici. J'ai voulu mettre en valeur les petits chats, l'appareil photo à l'ancienne. J'ai trouvé ça trop mignon. Si vous aimez les animaux, les chats, les chiens, cet album, il est fait pour vous. Et voilà les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en barre d'infos, à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!